Franchement, je suis dépassé. Non, Mamadi, vous savez, le CNRD, au début, on a cru que vous avez fait le mal, mais que vous allez vous racheter. Si vous voyez que moi, je suis déterminé à fond, j'ai compris que vous êtes têtu, que vous ne pouvez pas changer. La solution, c'est de taper sur vous. La seule solution aujourd'hui pour sortir la Guinée de cette misère, pour sortir la Guinée de ce chaos, c'est de vous taper pour que les gens se réveillent. Vous êtes venu ici crier, nous faire savoir que la CRIEF, ça allait être la solution, ce qui fera que oui, les gens ne vont pas détourner. Mais, hey, c'est incroyable. Vous-même, votre propre rapport, vous parlez de 448, mais c'est plus de 1000 milliards qui ont été détournés. Vous avez vu le dossier de M. Kamano que le CNRD a autorisé à aller se faire soigner. Je ne suis pas contre, je salue la décision. Mais vous venez de prouver que c'est deux poids, deux mesures. Parce que oui, docteur Kassori, Damaro, docteur Diané, Monsieur Oyé Gilavogui, Ibrahim Kourouma, l'autre, Bill Gates, voici des gens qui sont, je vais dire, les politiques. Sinon, comment se fait que dans le dossier, Damaro qui gère pas l'argent, Damaro qui ne gère même pas l'argent, son rôle, il y a des caissiers, il ne gère pas l'argent. C'est Damaro qui est en prison aujourd'hui. Les autres là sont au dehors. Et tout le monde a vu le procès. Monsieur Kamano a expliqué, Zenab est passé. Il n'y a rien, mais Damaro est en prison. Il est malade aujourd'hui. Docteur Kassori, c'est pire. Il vomit du sang. Ça dit Nkoumaramir là, quoi, non. Ça dit tous ceux qui m'appellent pour me dire, Damaro, il faut laisser. Je vais laisser comment? Vous voulez que j'arrête de parler? Dites-moi. J'ai dit, si Mamadi était venu d'ailleurs, il n'était pas dans le gouvernement du président Faconde. Moi, Damaro, ça allait me donner à réfléchir. Mais des gens qui appelaient toutes ces personnalités-là les grands. Ça dit, c'est tellement flagrant. Les Malik sont encore ici. Qu'est-ce que Malik n'a pas fait pour Doumbouya auparavant? Si vous voyez que Malik, ils sont sortis tranquillement, c'était des petits de. C'était les grands de Doumbouya. Tous ceux qui ont aidé Doumbouya, hier, ils sont sortis tranquillement. Tous ceux qui géraient l'argent. Les Abaka Marissa, les Malik Sankon, tous ceux qui occupaient des postes où il y avait l'argent, ils sont sortis devant eux. Mais c'est les politiques. Parce que Mamadi ne veut pas partir. Mamadi veut rester. Il ne veut pas que ses leaders. Ils savent que ces partis-là. Si Dr Kassori n'est pas là, Damaro n'est pas là, Diané n'est pas là, et les autres là. C'est que le parti, quand je vois des jeunes s'agiter là, ils vont aller où? C'est pourquoi ils sont en train. Et je l'ai dit, le cas de celui aussi. Franchement, c'est dommage. Comme vous voulez les tuer, tuez ces gens-là. Gardez-les, ils vont mourir dans vos mains. Si c'est ce qui va vous plaire, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais dire, une chose est claire. Quand le jour le peuple va se réveiller, ou les militaires, les autres, là, wallah, vous allez sentir. Billah, vous allez mordre vos doigts. Vous faites de cette justice ce que vous voulez. Ça fait combien de temps les docteurs de Dr Kassori, Damaro, les docteurs Diané, tout ce que vous avez demandé, ils vous ont donné, mais vous avez refusé. Si docteur, si Damaro et puis docteur Kassori voulaient fuir, ils étaient proches de l'ambassade. Si c'était des gens qui se reprochaient de quelque chose, s'ils n'aimaient pas ce pays-là, comme vos grands, les Malik Sankon aujourd'hui, qui sont en France. Vous saviez les dessous, on est au courant. Mais eux, là, ils sont sortis tranquilles. Pourtant, eux, ils géraient l'argent. Mais personne, jusqu'à présent, qui parle des dossiers de Malik Sankon? Même Brao le foi, Al-Nyener. Allah Danatimimi. C'est pourquoi, si vous voulez, faites des sacrifices que vous des sacrifices sataniques. Wallahi, Allah te djamfa fait. Allah te tonyoli fait. Billahi, vous n'allez pas vous en sortir. Mettez cela en tête. Tout
le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Humilier ces personnalités. Sinon, M. Kamano, c'est eux qui étaient les caissiers qui gèrent l'argent. Damaro ne gère pas l'argent. Mais lui, aujourd'hui, lui, il est en prison. D'abord, on l'a arrêté. Il n'y a même pas de jugement. Là, vous avez montré, vous avez prouvé au peuple de Guinée, c'est la force. Vous avez pris le pouvoir du président Fakonde. Vous ne voulez pas laisser ce pouvoir. C'est ça la vérité. Vous avez pris le pouvoir, vous ne voulez pas laisser. Mettez en tête que seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Hier, le président Fakonde était là. Qui aurait imaginé que Mamadi, l'un de ses hommes de confiance, et tous ces gens-là, à qui le président Fakonde avait confiance, qui occupait des postes clés stratégiques, c'est vous qui avez trahi le président Fakonde. Donc, attendez-vous aussi à être trahi demain. Si vous faites du bien, si vous faites du bien, demain, attendez-vous à du bien. Il y a d'autres, si vous faites du bien à des gens aujourd'hui. C'est comme au temps du président Fakonde. Mamadi, tous tes grands qui t'aidaient là, quand tu avais besoin d'argent, les Mali Sanko et tant d'autres là, tu les as laissés, non? C'est parce qu'ils t'ont aidé hier, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est pareil. Quand tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Quand tu fais du bien. Personne, parce que c'est avec la force que vous avez pris le pouvoir. Personne n'a de problème avec votre durée. Si vous voulez faire 10 ans au pouvoir, c'est votre problème. Mais nous, là, on ne peut pas vous soutenir tant que vous avez nos leaders. Jamais. Mais comme Alkoko Fankal Lalda. Mamadi, son discours le 5 septembre, il a dit, non? L'injustice. Ce que vous venez de faire tout de suite, là. Libérer M. Kamano est parti. Tandis que Dr. Kassori, il vomit du sang. Damaro, ça fait combien de temps? Il n'a même pas... Vous vous rappelez? L'année passée, quand vous l'avez amené, même il avait du mal à gêner. Tous ces gens-là sont avec vous. Vous êtes en train de les humilier. Konoko Moluye Nakoka Kaloufe. Et avec ça, vous vous entêtez. Konon, vous voulez créer un parti politique où vous allez mettre Mamadi, il va être candidat. Je vous ai prévenu, hein? Mais wallahi, londo, aldal si, aldal brochi. Wallahi bilay. Amiria mas nyanya matena kelate. Allah subhanahu wa ta'ala, il va tellement faciliter pour nous. Vous avez vu le cas de Dadis? Wallahi, il va tellement faciliter que nous-mêmes on va dire, hein? Je vous jure. A Kodo Mamadi Kodi ban, c'est que Amiria tama, où on ne s'attendait pas. C'est comme ça, ça va terminer. Vous êtes en train d'humilier. Vous êtes en train de dilapider les biens du pays. Vous êtes en train de faire ce que vous voulez. Si c'est ça, une république, continuez. Continuez. Nous, nous sommes sereins. Wallahi. On dit le musulman, ko brakanyanya kayadi alama. Parce que justice te boutoune, tonyolle. Damaro liye kasola. Allah avocat brako beke. Docteur Kassori, Djerie Bola au Daro. Ça dit, mon balou, Alma Deriko, Mina Kanakalou Bla. Mais bi, les avocats de M. Kamano, Alouka, demande écrite Mike, Albra M. Kamano Bla. Ou le Nidamaro, le Bédo, accusé ni dossier créé Nero. Albert, accusé ni dossier créé, le même dossier. Mais aujourd'hui, ils ont libéré ce dernier. Et pourtant, Damaro n'a même pas géré l'argent. Bonjour, Damaro, vous avez confié à Bourou. Mais bi, moi, Balou Beminani, toutes ces personnalités sont arrêtées parce que c'est eux qui font le parti. Et leur idée, il faut détruire ces partis-là pour que Mamadi continue à diriger ce pays-là. Pourtant, c'est vous qui avez dit ici le 5 septembre que Mamadi, bah, ses proches, bah, personne ne sera candidat. Eh, Nko Djamfa, il a banan Djamfa, Lema, Anou Sabarini. Il m'a fait que Danatimi ne doit pas l'aider. Que Danatimi ne peut pas l'aider. Wallahi, il est le plus important. Bravo, je ne suis pas contre. Vous avez libéré M. Kamano, allez se soigner. Alhamdoulilah. Même à la barre, quand vous voyez M. Kamano, on sent qu'il est malade. Docteur Kassori, aujourd'hui, il ne peut même plus marcher. Seul. Il faut que les gens lui supportent aujourd'hui. Tellement qu'ils ont fini avec ces gens-là. Ils veulent finir avec eux. Que ceux-ci ne parlent même plus de politique. Almeria Kofanka. Alma Fossier Fonoba. Président Fakonde, Akakaso Kea, au temps de l'ancien compté, il a fait combien d'années en prison? Mais, Alaka Fankadama, Abola Obero, Kanaka Kela Guinée Masai.
ama malfata ama muchi mola akakuna bare mo nyuma lo yako kake masai me koma luko quelque temps fan kalitala anye wama. Je vous ai dit, wallahi, vous n'étiez pas fort que les dadis. Je vous jure, le CNRD, vous n'étiez pas fort. Ceux-ci connaissaient la Guinée mieux que vous. Mais, bi, les Toumba sont où aujourd'hui? Les Toumba, ils sont où aujourd'hui? Ambra, ça dit, on vous a conseillé. Moi, Damaro, tout le monde m'a vu ici, non? J'appelais Djaba, sa cousine là. Je ne disais pas Mombo, je ne disais pas Doumbouya. J'ai mis bas la terre. Myriel encore hankiri malulé. Les grands m'appellent, les gens proches de Doumbouya. Ah, Damaro, Fona Aketa. Almiré Ako Danka Leneko. Almiré Ako Danka Leneko. Moi, mon oncle, détenu, sans raison. Et moi, je suis maudit. Je vais prendre l'argent avec vous. Et je vais venir m'asseoir ici, soutenant le CNRD. Alors, mon foie là en même temps. Nde fois kere ou maf saoué. Souron baliaoué. Nema, je préfère mourir. Que moi de venir prendre quelque chose avec vous, me flanquer encore devant les gens ici pour dire soutenons le CNRD. Mon oncle avec vous, le docteur Kassouri, le docteur Djané, Koudanka le Neko. N'allez faire quoi, Ben, Al-Kaslalo. Je vous ai dit, l'honneur du président Fakonde, tant que vous marchez, en faisant un démarche à l'Kokanfana. N'allez-moi la Konoko, allez la Sraka Minani, ou bien que ce pays-là, ça vous appartient. Vous étiez quoi hier? Bala Samoura était quoi hier? Ce n'est pas grâce au président Fakonde Bala est devenu quelqu'un. Amara était quoi hier? Ils l'ont foutu en prison. Ce n'est pas grâce au président Fakonde. Doumbouya était quoi? Il ne courait pas derrière tous ces gens-là. Grand, grand. On crée les forces spéciales. Kafankata Kadelma. Alousou l'on balilou, fissou l'on balilou. Kal yira konoko, alou le krenka alalon. Kal le krenka tieno. Antewama, votre vérité là, où ça va vous amener? Où vous pensez que la force là? Mbara falunyeno. Les gens, si vous voulez, aujourd'hui, vous êtes en train de manipuler Ousmane Gawal. Vous pensez que Ousmane Gawal peut influencer sur UFDG? Vous pensez que UFDG, ils vont laisser El Assoulidal pour Ousmane Gawal? Vous êtes en train de vous fatiguer. Tant que vous n'allez pas respecter l'honneur du président Fakonde, tant que vous n'allez pas laisser les partis politiques tranquilles, nous aussi, nous n'allons pas vous laisser. Si vous pensez que c'est Ousmane Gawal qui peut déstabiliser l'UFDG, vous avez tapé pour tout. Un fanfaron comme ça, un vaurien comme ça. Vous pensez que lui, devant tous les Kalemodou Yansané, les Aliou Kondé, vous pensez que Ousmane Gawal peut influencer là-bas? Donnez toujours de l'argent, il va s'enrichir. Regardez aujourd'hui, il est en train de construire partout. L'argent que vous donnez pour déstabiliser l'UFDG. Mais toujours, eux, ils sont calés. Le RPG, pareil. Regardez tous les communicants phares. El Sisi, Mamoudou Sila, Benito, même Fatou, même ceux qui sont au pays, vous-même, même vos éléments de la DCI, vous n'avez même pas confiance. Des anciens qui étaient avec le RPG, vous n'avez même pas confiance. Vous êtes en train de vous fatiguer. Vous pensez que la force, là, ça va vous mener à bon port. Altena Walay Rossi. Mon frère Mahmoud Sila, vraiment, son nom c'est Ousmane Gawa. Je crois que si tu es disponible, je vais te prendre Mahmoud Sila. Tu as vu le truc de Kamano, tu as vu comment eux ils sont tombés bas. Personne n'est contre la libération de M. Kamano pour aller se soigner, mais le CNRD, ils ont montré que c'est deux poids, deux mesures, c'est les politiques. C'est les politiques que eux, ils ont attrapés. Que personne ne parle de politique. Tout le monde doit faire allégeance à Mamadi. Tout le monde doit supporter. Sinon, il y avait des directeurs ici qui giraient l'argent, qui avaient tout. Ok, mon frère. Qui avaient tout. Ceux-ci-là sont sortis. On sait comment Malik Sanko est sorti. On sait ce que Malik Sanko a fait pour Doumbouya. Tout simplement, les Guinéens, vous allez bien comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Ceux qui parlent de justice, justice. De quelle justice vous parlez? Ceux qui sont en train de profiter, si vous pensez que ça, là, ça va durer encore, asseyez-vous. Wallah, vous allez tout perdre. On m'a dit, il avait la chance de sortir par la grande porte. Honorez son bienfaiteur.
appelait tout le monde. Et il pouvait mener le reste de sa vie tranquille. Mais aujourd'hui, regardez le visage de Mamadi. Draya Kirintala. Draya Kirintala Mamadi là. Bi, Abrakoso. Manika lui fait ma kokoso. Mamadi Barakoso. Parce que ma basiko. Basiko. Koka saraka djuluke. Walloy. Atese bena Mamadi. Tant que yo mobala maloyala. Nali miriala ko mobala maloya ko le katalkla mobaye. Walloy aya yere trolali. Aya yere trolali. Mominuka alke fini. Al mabla la. Docteur Diane mabla alla lonke. Docteur Kassouri. Damaro al mabla alla lonke. Al ni mominu, vous étiez dans la même équipe. Dans la même équipe. Kobi, à cause de vos. À cause de vos. Vos affaires de drogue. Vous allez venir humilier Kamobal la maloya. Vous avez sauvé votre tête. Si c'était pour la démocratie, vous vous serez opposé à El Asselou Dalé, ceux qui combattaient le président Fakonde. Vous vous serez opposé aujourd'hui au FNDC. Mais nous, on avait tout dit ici. Donc, au fil du temps, les Guinéens vont se rendre compte que Mamadi, c'était autre chose. Ça n'avait rien à voir avec la démocratie. Comment des bandits vont parler de justice? Comment des bandits comme vous? Où sont les victimes du 5 septembre? De quelle justice parlez-vous? Est-ce que ces gens-là peuvent être justes? Un gouvernement est là. Ils n'ont pas été mandatés par le peuple. Ils étaient là pour servir le pays. Ils prennent les armes qu'ils devaient prendre pour défendre la patrie contre le président et tuer plus de combien de personnes. Et sans même rendre hommage à ces personnes. Mamadi, c'est ce qu'il attend. Et je l'ai dit, son coup d'État, c'était un instinct de survie. Et son pouvoir aujourd'hui, il est en train de sauver sa tête. C'est pourquoi lui-même, il sait ce qu'il attend. Les dadis sont aujourd'hui devant la barre. Il y a la Krief. Mamadi, c'est ce qu'il attend. C'est pourquoi Mamadi a peur aujourd'hui de partir. Sinon, Mamadi, lui-même, il sait qu'il n'est rien, il est zéro. À l'Onita Boro, il n'a rien de mieux que le président Alpha Condé, à part les démagogies qu'il fait. Passeport grimpé, ou bien j'ai envoyé avion, j'ai acheté avion. Mais la souffrance des Guinéens aujourd'hui, le sac de riz, c'est combien? Combien d'emplois le bandit a créé? Combien d'emplois? Rien. Donc, Bey Sabari, nous, en tout cas, soutien à nos leaders et du courage à vous. Au départ, ils ont calomnié. Ils vous ont calomnié. Ils ont dit ici, docteur Kassouri a détourné 46 millions. Ali Touré, pour une histoire de famille, il a une haine contre docteur Kassouri. Une histoire de famille de Ali Touré. Wallahi. Regarde aujourd'hui, au Birim, au Barafini, Fouré Mara, au Birim Mouyalan, Fouré Nam, Bala est malade, Idamine est malade, Doumbouya lui-même, regardez-le, Abara Khos. Si allo mikinaka madegima allo mikinaka mukhima. Donc tant que vous êtes en train de humilier aujourd'hui là, si vous êtes flanqué au palais là, c'est grâce à la politique des autres. Ce palais là a été renouvelé. Si vous avez utilisé les forces spéciales là, c'est grâce au président Alpha Condé, sinon ça n'existait pas. Si Mamadi était dans l'armée, il n'allait jamais avoir cette force. Olé, je peux jamais l'aimer. Tu sais dire la nyefeu faut ça que la Mamadi Diagne. Tant que à ma présence, par contre, l'État Kalayer, Wallah Bila, Tessé Dialani, fils Rulombali, Tessé Dialani. Mamadi Kalon, il sait tout ce que je lui dis, il sait que c'est la vérité. Comment je peux aimer un voleur? Comment je peux aimer un bandit? Comment je peux aimer un traître? Mamadi sait qu'il est traître, il est bandit. Combien de personnes Mamadi a fait disparaître? Les Diagne, les petits Diagne, tous ces gens-là, ils sont où? Quelle est la démocratie? Où est cette démocratie? Ceux qui ont applaudi pour toi hier, tu as été reconnaissant envers eux. Il m'a salué, elle a su dans la bonté. Et puis, et comme heureusement, les gens écoutent, franchement, je vais vous dire une chose. Elle a su dans les, il faut que il essaye de d'éviter certaines personnes. Attendez, il y a un imbécile de grec ici que je vais bloquer d'abord. Ouais, lui, il est banni.
Vous savez, aujourd'hui, leur plan qu'ils ont mis, parce qu'ils savent que UFDG, qu'on le veuille ou pas, en matière de mobilisation, ils sont numéro un. En matière de mobilisation, ils sont numéro un. Donc, Mamadi, aujourd'hui, là, ils ont tellement peur, les négociations qui sont sur la table, c'est de dire quoi? Que El Hadj Soldale d'accepter, Mamadi va faire une année. Qu'après, que lui, il va terminer les mandats du président Alpha Condé, là. Il va faire 5 ans. Après, El Hadj Soldale, il va organiser des élections et El Hadj Soldale va continuer. Ne sais pas comment on dit ça. Coca, comment ta, Coca, kata, comment est à Kebara, quoi. Si El Hadj Soldale tombe dans ce piège-là, que toi, il faut soutenir, calmez-vous. Vous, lui, il va faire 5 ans. D'ici les 5 ans, là, comme au temps de feu général, là, sans compter. Il cherche tout. Il cherche tout. Voilà. Bon, regardez, toi qui dis que Demba Sisseke, que El Hadj Soldale est ethno, avec les faux de Oussou, il n'a pas fait cadeau à Ousmane Gawal, les Aliou Kondé, les Kalomodou Yansané. S'il y a des gens qui sont ethno, là, c'est Doumbouya. S'il y a des gens qui sont ethno, parce que même vous, Alia Mabi, vous êtes animé que par l'esprit communautaire. Kafokou non, mais vous savez que Doumbouya, c'est un tonneau vide. Fouidakou non. Atesse biatesse. Kafou. Regardez aujourd'hui, même les grands de Doumbouya, les proches de Doumbouya. Quand ils nous appellent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, Damaro, allez à Alcalon, on a pouvoir l'été. Voilà, ni, si ce n'était pas Mamadi Doumbouya, elle t'a dit président Alpha Condé fois, Dieneka fois. 11 ans, qui a fait ça? C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont bêtes, là, ça raconte a fait combien d'années ici? Pourquoi vous n'avez pas fait votre coup d'État? Pourquoi Lansana Conté était là? Hein? Pourquoi Lansana Conté était là? Ceux qui se disent que Farilou, les Amara, les Bala, ils n'ont pas renversé le pouvoir de Lansana Conté. Fissilulom Balilou, Marafaliné, Allié de Balla, Fissilulom Baliala, Allié de Fissilulom Baliala, Force spéciale Tounteo. Votre ami Mamadi, il était en France. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et vous venez parler qu'elle est solidaire. Moi, je l'ai dit, hein. Wallahi Bilay, je le jure. Hein. J'ai dit, je préfère soutenir El Hadj Soldale que Mamadi Doumbouya. Et je vous le dis, hein. Si El Hadj Soldale, c'est lui qui avait pris le pouvoir, bah. Tout s'est fouté sur le président Alpha Condé. Billahi, le président Alpha Condé, il allait recevoir son salaire d'ancien président. Il allait avoir tous les honneurs, même les obsèques de sa femme. Olembrafa, Anyankuna, Barewati, quoi. Hankri Dor, là, Hankri Dor, Yakuma. Alkana Anke, Hankri Dor. Il faut pas qu'ils vont nous rendre comme eux, les mentalités bidons, là. Ça, il faut le reconnaître. Parce que El Hadj Soldale, folie tout cas, moi tout cas, pousser Nyanyaka, il n'allait pas manquer de respect au président Alpha Condé. Il n'allait pas manquer de respect. Mais voici pourquoi le pays n'avance pas. Les communautaires sont en train de dominer. Ils ne comptent que sur l'ethnie. Ah, ni maman du soutien. Dans quel anouko, à maman du calé boué. Dans quel anouko, quoi qu'il ait fait. C'est lui qui allait casser que le président Alpha Condé blague. Fils lui l'ont parlé. Je vais vous jouer. Attends, je crois que j'ai la vidéo là ici. Vous allez voir. Qu'est-ce que le président Alpha Condé Mamouké pour le bien de ce pays? Ka Moulou, ka Aladouma, pour que Djamana n'y wanyé fait. Mais, fils lui l'ont parlé, al maoulé nyaye, Kobi, Kofanka Barakalouburo. Hein? Mais, moi, lui, Hankilou Sorodi, c'est le. Albraoulako, Alié Momasila. Kasselou, vous voulez diaboliser. Bon, regardez. Kasselou avait perdu son frère. Regardez. L'heure est à l'apaisement politique et à la concorde nationale. Le président Alpha Condé, au domicile de Sélou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne. Le président de la République est venu lui adresser ses sincères condoléances suite au décès de son grand frère aîné. El Hadj Mamadou Hadi Diallo, c'est son nom, est décédé ce mercredi 7 septembre 2016 à Dakar
à l'âge de 77 ans par suite de maladie. Entré de son épouse Hadja Alimatou Diallo et de ses enfants, le domicile de Sylvie Galen Diallo était rempli de sa famille politique. C'est le député honorable Mamadou Aliouba. Ça, c'est des politiciens sans animosité. Il y a eu décès, le président Fakonde s'est déplacé. Il y a de ces choses, je ne vais pas dire publiquement. Mais moi, le Ayelako, Hankri Dor, ceux qui sont en train de parler. C'est pourquoi je vous dis, Wallahi Bilay, ni Mamadie Diamino, ni Seloudalene. Allié Foutes Dolkla, Anamo Banlabi, Allié Kodolklabi, Akinteke. Ils n'allaient pas le faire. Mbrao le Fomolunye. Ils sont là à diaboliser. C'est comme ça qu'ils ont diabolisé aussi le président Fakonde pour l'UFDG. Mais faux Bifana, eux aussi, ils ont compris. Déjà, le président Fakonde n'était pas mauvais. C'était son entourage, ceux qui ont fait le coup d'État. Quels sont ceux qui ont dit de fermer les frontières? Chef d'État-major, directeur du cabinet, Mamadi Doumbouya, tous ces gens, c'était eux. Ça faisait partie de leur plan. De rendre le président Fakonde impopulaire. Il n'a pas vu venir. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui sont là, que ce soit les Seloudalens, tous ces gens-là, ils ont la notion de la République. Ils savent ce qu'est la République. Thomas Sankara l'a dit devant tout le monde, mais peut-être que les gens ne prêtent pas attention, n'analysent pas. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Doumbouya est parlé. Même si on dit à Doumbouya de lire Fatia, il ne peut pas lire Fatia. Wallahi, vous allez demander à Doumbouya de lire Fatia, il ne peut pas lire. Il n'a aucune notion de la République. Aucune notion de la République. C'est des gens qui sont venus pour détruire ce pays-là et répartir. Ce que Thomas Sankara, qui était militaire, lui, il a connu, il a fait des formations, il a été en Afrique du Sud, un peu partout. Mais on a vu comment il a géré le Burkina. Mais par rapport à des bandits comme ça, des arrogants, des orgueilleux, hautains, des démagogues pareils, comment la Guinée peut avancer? Comment on peut respecter des personnalités? Comment on peut parler de justice? Combien de Guinéens sont en train de crever? Mambra, Mambra, c'est Mouamounia. Wallahi Bilay. Ceux qui sont en train de faire la démagogie, allez à la côte. Wallahi Bilay. On va se retrouver, on va se réveiller un beau matin. L'affaire là est finie. Nala dit Kalbenya Koroya. Ça, je vous le jure. J'avais cru que Doumbouya était intelligent. C'est pourquoi vous m'avez vu un moment, je le disais, mon beau. Mais non, Hankilita l'a fait. À ma fausse loi. Ta, comme l'a dit Toumba, c'est la force qui arrête la force. C'est le fer qui coupe le fer. Rien d'autre que ça. Il sait ce qu'il attend. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, humilier les gens, il sait ce qu'il attend. C'est pourquoi il veut toujours garder cette force. Regardez les militaires. Toi, tu es venu pour une transition. Ta priorité, c'est de former les gens, des gens, les mettre autour de toi. J'ai parlé ici. C'est pourquoi, moi, Damaro, je ne regrette de rien. J'ai tout dit ici. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ici sur ces bandits-là? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit des raisons du coup d'État? Je vous ai dit, vous êtes en train d'applaudir, mais vous allez le regretter. Parce qu'à mon nom. Donc, la famille, prions pour les anciens dignitaires, leur santé aujourd'hui. Docteur Kassori qui vomit du sang. Damaro qui est couché, ça ne va pas du tout. Des pères de famille, même leur famille, est-ce qu'ils sont payés bas? Ils ont des enfants bas, ce n'est pas leur affaire. Wallahi ou hake. Vous, vous êtes content aujourd'hui, vous avez le courant. Vous parlez de Anafik, Agnès, tout ça, là, c'est le docteur Kassori. Wallahi, ala tehere kal nyefou. Kal tofisri l'ombalia, wallahi, ala tehere ke. Kal kafok, aujourd'hui, regardez. Où Doumbouya avait allé fêter aujourd'hui à Kankan? Hein? Où Doumbouya veut aller fêter à Kankan? L'endroit avait été financé, c'est-à-dire exécuté à 60%, financé par le président, par le gouvernement du président Fakonde. Mais aujourd'hui, il dit non, Serfoula, il ne veut pas fêter là-bas. L'endroit là, il est en train d'accélérer. Demain encore, Nifisrilom Balita et Fanako, il va aller se flanquer là-bas pour dire que non, c'est lui qui a créé ce projet-là. On m'a dit, tu es debout, il a Fisrilom Balia là-bas. Il te debout, Fisrilom Balia là. Il te debout, Fisrilom Balia là. Il te Kourana Karandouni. Il faut lire le Coran. Parce que Nazara, formation au bouton, tu ne peux pas, il te se fausse le Lara bouton. Mais au moins, le Coran, tu peux chercher un bon imam. Pas un imam
un imam traite de un bon imam qui va vraiment t'apprendre la religion. Parce qu'il va la perdre. Il va la perdre. Toi qui es en train de mettre les têtes de mort devant les commentaires des gens, dis-toi que après ce direct, toi, tu ne vas plus voir encore. Le mieux pour toi, d'ici que je ne finisse ce direct, tes têtes de mort, là, quand je finis tout de suite, je vais mettre c'est fini. Bien. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Et à la matinée de maintenant, à la Ranon du Mali, parce que Mounou Bandi et Nana, Mbara Nafala Obe, Dieu et Moutiéma, Dieu combattu Mané. Kamere Wama, si le peuple veut la libération, veut se libérer, le peuple doit se lever. Mais si vous pensez que Mamadi va organiser des élections et partir, je vous ai dit, vous êtes en train de rêver. Je vous ai dit ça maintes fois. Et maintenant, vous êtes en train de voir tous leurs 10 programmes là. Qu'est-ce qu'ils ont respecté? Même la CEDEAO veut envoyer des gens. Ils disent non, qu'eux ne sont pas prêts. Non, 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 c'est pas arrêté. Moi, les gens de UFDG, je vous ai dit depuis le départ, moi, l'UFDG n'a pas de problème ici. C'est des gens du CNRD eux-mêmes. C'est pas l'UFDG. L'UFDG et le RPG, ils n'ont pas de problème aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Vous voyez les tensions, les insultes. Qui voit un communicant du RPG en train de insulter la solidarité ou bien manquer de respect? Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez les Paikoussar et les Djibril manquer de respect? C'est seulement ceux qui n'avaient pas compris. Mais on les a ramenés à la raison. On les a ramenés. S'il y a quelqu'un qu'on insulte aujourd'hui, qu'on humilie aujourd'hui, c'est Mamadi. Les gens ont applaudi hier. Et moi, Mamadi, t'as qu'on a bouillé. Moi, lui, t'es fouillé. Allez, moi, créer lui, bakakabaka qui bombe. Et moi, t'as braqué qu'on a bouillé. Et avec ça, tu veux t'entêter pour dire que toi, tu vas être candidat. Candidat de qui? Qui va voter pour toi? L'UFDG. Vous connaissez le pourcentage de l'UFDG, le pourcentage du RPG, de Sidia. Vous êtes en conflit avec toutes ces personnes. Kono, Mamadi, candidat. Awa, c'est que né Damaro, Awa, nous faisons de Sorasiya. Ok, une mission spéciale. Nous faisons m'occuper de Mamadi. Moi, je l'ai dit, hein, Wallahi Billahi, c'est pas parce que moi, si j'étais dans l'armée, né Diamino, Wallahi, ça, Mamadi Kobaraba. Ça, Mamadi Kobaraba, je vous jure, si j'étais dans l'armée, j'ai besoin seulement de quelque chose. Hein. Lance-pierre, bré-bré, tout, c'est sorti bidon là. Wallahi, ni maladie à coca, marakeño. Parce que Dieu même sait pourquoi je l'ai fait. C'est pourquoi je dis, Hante, Surasi Dolie, Altuma Kudeta Kunode. Mais c'est maintenant tout le monde commence à comprendre. C'est pourquoi Mamadi est en train d'enlever les militaires. C'est-à-dire, cette armée, il veut remanier l'armée là à 60%. À qui? À sa cause, quoi. C'est pourquoi il est en train d'envoyer les gens qui vont commencer à former maintenant, cette armée là, il va remanier, c'est son plan, remanier à 60%. Et tous les résultats là seront loin de Conakry. La population va souffrir, il ne va pas recruter. Son seul souci, c'est sa sécurité. Vous voyez comment il est en train de dilapider nos richesses? Transition. Toi, tu es en train. Ça dit, quoi, à monnaie, tu sais, banan, quoi. La Guinée sera si le monnaie de Namoro. Non, mais l'armée guinéenne, quoi, le monnaie de Namoro, quoi. Un légionnaire, un bandit vient s'imposer. D'abord, en train de vous humilier, et vous êtes là. Non, la Guinée sera si le. Non, ça y a Kafis Altaï, quoi. Al-Sani au Kafisa, quoi. C'est-à-dire, on dirait les camps là. Hein? Non. À Konorofris, c'est Bana, quoi. Un bandit, un légionnaire. ATC bi, ATC semi. Troya et Molkoka. Vous êtes assis. Quand vous avez peur des forces spéciales. Le 5 septembre, ils ont maté les forces spéciales. N'eût été Namouri. N'eût été Namouri. Demandez les éléments de Doumbouya qui sont tombés. Il y a eu plus de pertes du côté de Doumbouya que la garde présidentielle. Garde présidentielle, il n'y a même pas eu assez. C'est des civils, quelques civils et autres. Mais demandez combien d'éléments des forces spéciales.